Ça mettait du temps, c'est pour ça ce silence. Allez, salut tout le monde, c'est Mister Viva 45, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, on est parti ensemble pour l'épisode 16 de notre aventure sur Alien Isolation. Comme d'habitude, un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, vous êtes très nombreux. D'habitude, c'est le mardi à 22h qu'on record, mais là, il est minuit, vous pouvez le voir en bas de l'écran. Et c'est terrible, un petit peu de retard, mais l'important, c'est que le cœur y soit. Et on est parti, souvenez-vous, on avait trouvé le bar avec les UV et on s'était littéralement fait casser la gueule en sortant du bar par des méchants robots. Et normalement, jusqu'à preuve du contraire, on s'était débarrassé de l'alien, évidemment. Jusqu'à ce que je me doute, ça serait peut-être un peu trop facile de s'être vraiment débarrassé de l'alien comme ça. Ah, c'était pas là du tout. Ah oui, je crois que j'avais check aussi ici. Mais vu qu'on était mort, bon bah voilà, faut recommencer à fouiller un petit peu. Ok. Ok. J'ai plus trop ce qui s'était passé. C'était par ici? Je sais plus. C'est là qu'il faut aller. Ah ouais. Wait, c'est Ripley. Ok, c'est bon, je m'en souviens. Aucune idée. Et le changement de statut de l'alerte. Bordel, j'en sais rien. J'essaie de contacter Samuels. Peut-être que lui, il sait à quoi est en train de jouer Apollo. Ok. Bon. Évidemment, il faut rétablir le courant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est pas mal. Est-ce que c'est pas le moment de faire un medikit par exemple? Moi je pense que si. Ça, je suis déjà blindax. Ah putain! Mais attendez! Une mine IUM! C'est censé désactiver les mannes. Ok, ok. Ok. C'est bizarre, mais j'ai un souvenir de ouf comme quoi j'étais mort. Mais je me souviens plus comment. Fallait remettre le courant. Je crois me souvenir. Ouais, j'ai trop les gars. Trois? Oh non, j'ai un bug, MDR. Regardez ma croix au milieu de l'écran. Eh, je suis vraiment, mais putain, il n'y a que moi pour avoir autant de bugs. Je m'étais pris une balle de pompe, effectivement. Ah.
Chasser qui? Tout le monde. Les personnes. C'est-à-dire? Une seconde. Je suis un connard. Je pensais pas que ça faisait ça. Quatre balles suffiront pour un homme comme toi. In the eyes and the rangers. The army is back and rangers. Ok. In the eyes and the rangers. Non, frère, wesh. Il était debout, il était là. C'est trop gros. Vas-y, j'ai le seum. Le seum se lit. J'ai le seum 41, les gars, putain. C'est n'importe quoi, ça c'est gratuit ça. C'est pas un ranger là. C'est Ripley. C'est quoi l'histoire avec les androïdes? Aucune idée. Le changement de statut de l'alerte. Bordel, j'en sais rien. J'essaie de contacter Samuels. Peut-être que lui, il sait à quoi et est en train de jouer Apollo. Ok, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave, c'est la street. Balles, 4 balles dans la tête à peu près pour tuer un androïde. C'est ça? On the speck and ranges. Ah wesh! Oh non, c'est un civil! Fils de pute! Oh là là, ce que j'allais lui coller les refs! Comment il m'a fait peur! Et je me suis dit, mais attends, mais. Eh! Je me suis dit, l'androïde vraiment il court là? Parce que j'étais mort, hein! Un androïde qui court comme ça, c'est fin du jeu, les gars! Hein. T'imagines si t'es un androïde qui courait comme un... Ah ! Putain ! Frère ! Mais frère, c'est trop gros ! Oh non ? Vas-y, nique sa merde. Je comprends rien à ce foutoir. Ils sont pas en train de répondre à des violations de propriété. C'est comme s'ils étaient en train de chasser. Chasser qui? Tout le monde. Les personnes. C'est-à-dire? Une seconde. Ouah, c'est trop, frère. C'est trop, frère. Non, mais les gars, là, c'est trop, là, c'est tout ce qui se produit, là. C'est bon. Manque plus que l'alien. Non, c'est trop là. Oh, les gars. Vous avez vu ou quoi la dinguerie là? N'importe quoi, frère. Incroyable. Et si, imaginez deux secondes, ils avaient fait des androïdes capables de te cavaler après, comme le mec qui courait. Mais là, les gars, c'était pire. La vidéo
Les ascenseurs sont HS et il y a des cadavres partout. Ok, ça c'est une bonne soirée. Erreur, ok. Mix, je te laisse ça pour quand tu te réveilleras. Je sais que t'as encore du mal à accepter ce qui est arrivé à Foster. Mais il va falloir que t'arrêtes tes conneries maintenant. T'as vraiment abusé sur la bouteille. Et t'en as trop raconté à ces gens qui dorment dans le centre commercial. J'ai dû te traîner loin de là quand j'ai vu qu'ils te regardaient de travers. On peut plus retourner là-bas. Personne doit savoir qu'on est lié à Marlow et à la Nessidora. Je reviendrai quand t'auras fini de cuver. C'est qui le man là? Wouah, mais hé, les gars, oh, ils sont fous, frère. C'est des fous, frère. C'est des putains de malades. À quel moment? Mais faites pas ça. Putain, jusqu'à la fin, ils mettent un double. Lui, il est serein. Elle, pardon. Elle. Attends, lui, elle. Elle. Alors, attendez. Attendez, c'est trop, là. J'ai cru qu'il allait te tacler, je te jure que moi aussi, frère. Non, non, c'est pas vrai. Non, il va faire demi-tour, je suis un homme mort. Oh, c'est trop. Comment ça? Il y a un bas ici, les gars, je comprends pas là. Là, je suis Keblo. Tout me disait de venir là. Et là, j'avoue, je suis Keblo 2. Bah, si c'est en dessous, c'est chiant, quoi. Je vais voir s'il n'existe pas... Ça, c'est une porte. Oh là là, arrête, toi. Tu t'arrêtes. Attends, ça veut dire que je suis venu ici pour rien, là? Non, c'est pas possible, je refuse. Ça veut dire que je suis venu ici pour R? Madame? Non, c'est pas possible. Oh là là, non. Si l'éteinte de la station vous est désagréable. Mais wesh. C'est trop, frère. Vous êtes des forceurs, les refs, hein. Mais les gars, moi, ils me disent bien d'aller là-bas, hein. Il y a un bail, hein. Moi, ils me disent d'aller là derrière, hein. C'est terrible, hein. Là, ça se recentre. L'alerte du confinement du danger a récemment été élevée au niveau Oméga. Veuillez patienter dans l'attente de nouvelles notifications. Ok. Ok. Toujours plus grandes les portes. C'était bien là, terrible. Terrible histoire. Ah, je suis Keblo. Ah, les gars. Ok. Waits, il y a des stores de sécurité qui me barrent la route. Vous pouvez les ouvrir. Waits. Oh, t'enfoiré! Salaud de meurtrier! Laissez-les tranquilles! Arrêtez! Vous ne devriez pas être ici.
d'ici. Bande de salopards. Wait. Pardon? Frérot, t'as cru que j'étais dans Mario quoi, mon ref, à trouver des chemins comme ça alternatifs? Je vais pas les chier tes chemins. Oh là là. Y a un bail au-dessus. In the eyes of an avenger. D'ailleurs, pour la petite anecdote, savez-vous que c'est Chuck Norris lui-même qui a chanté le générique de Walker? Mort. On reconnaît tout justement Lambda. Mort. Chacun de nos individus est morte. Il y a des milliers de tests de contrôle de sécurité avant d'être activés. Hop, une phlogie, mort. J'ai mis une balle juste pour Eh, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Oui, c'est profond. Il a été peut-être un petit peu trop loin, il s'est... Voilà, ça arrive. C'est moi quand je vais chez le médecin, les gars, et qu'on met le petit bâton dans la bouche, les refs. Hein. Je vous jure que je fais ça. Hein. Mais madame, je supporte pas, je vais vomir. Oh, bah. Pardon. Mille ma mère que t'es un forceur, mon ref. Ah! C'est mérité. Ah! C'est mérité. Ok, viens, bébé. In the eyes and ranges. Beyond his pick and ranges. Vas-y, frère, c'est trop. Hop, c'est moi aussi chez le médecin. C'est trop, frère. Heureusement que je lui avais mis une balle avant, quand même. Hein. Je vous l'avais dit. Hein. Ah, par contre, niveau balle de pistolet, je fais plus le malin, les gars. On a eu 30 balles. 30 balles en très peu de temps. J'ai déjà tout utilisé. C'est très tendu. Bon, allez. Fusil à pompe. Les gars, vous pensez que les androïdes, ça se crame? Je pense pas, hein. Je vais fuir là-haut. Je pense pas que ça se crame. Non, frère, t'es trop déterminé, toi. Oh, les gars. Non, mais je peux pas faire. Les gars, on n'est pas dans Call of, les refs. Il s'en prend un. Ok. On prend tout ce qui traîne ici, hein. Putain, n'empêche, le man qui m'a mis une flugie, elle m'a chicoté les chicots.
La tour d'habitation Solomon propose toutes les commodités et le confort nécessaire. Toujours plus, les gars. Ça, je sais pas, je sens qu'il y a un bail dedans. Hein. Je comprends plus, putain. Oh, je me suis chié dessus. Ok. Vous voyez qu'il y a... Attends. Non, c'est bon, d'accord. Ok. Je peux pas recrafter une IEM, les refs. J'ai pas ce qu'il faut. Ok. Fou. C'est chaud. Ok, il faut que je trouve un moyen d'étendre. Hein, très bien. Aux habitants de Sébastopol, un démantèlement de la station est actuellement en cours. Très bien. Je me suis installé dans la galerie du centre commercial il y a environ 24 heures. Ou c'est une femme de l'Est. Ils croient encore que le Marshal Waits va tuer la créature. Ils oublient les autres dangers. Ils oublient qu'ils sont là, eux. Les gens se retournent tous les uns contre les autres pour la nourriture, pour l'eau. Je ne peux plus rester ici. Les gars, j'ai 7 balles. 7 balles. De quoi tuer max 2 robots. Après, c'est la mort du petit cheval mort. Et Dieu sait qu'on l'aimait, ce petit cheval. Ok. Fils de pute, il est réveillé, lui. Ah ! Putain, ta mère ! Frère, j'ai fait exprès de reculer et tout, en plus, hein. Tiens, attends, ta mère. Je les barre. Non, là, ils ont abusé. C'est trop, frère. Là, c'est des forceurs. Là, j'ai juré, c'est des forceurs de ouf. Ok. Ok. Ah, là, c'est des forceurs. Ok, boîte noire appartenant, cisaille à plasma, très bien, fichier corrompu. Oui, ici le docteur Lingard. Je viens juste d'examiner une patiente avec. Oh, je n'ai jamais vu ça. Ah, mais je me souviens, on est dans le bureau du Marshal, c'est bon. J'ai vérifié vite fait le nom qu'ils m'ont communiqué, mais rien n'apparaît dans les fichiers de Sébastopol. Je pense qu'elle est montée à bord il y a peu. Est-ce que vous savez quelque chose? Quoi? Je n'ai aucune idée de ce que Sinclair et ses hommes fabriquent, mais ça aurait dû être signalé pendant la quarantaine. Qui sait ce qu'ils ont laissé passer d'autre? La patiente m'attend avec son capitaine dans la salle d'examen. Ramenez-vous maintenant. Yo les gars. Rip. Rip, ils sont tous morts. Les androïdes les ont massacrés. Pourquoi, putain? Pourquoi? J'en sais rien. Mais Samuels doit le savoir. Samuels? Pourquoi? Waits lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor ou Marlow? Non, non. Ils sont pas ici. Non, il est mort. Ricardo ? Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels, tu peux gérer cet endroit. Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières ? Ricardo ? Ouais. Bien sûr, pas de problème. Reste ici. Verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi de me guider. Je reviendrai te chercher. Ok, là on va save. Il me manque toujours un truc crucial. Il me manque toujours un truc crucial pour faire une putain de mini-UM qui a l'air assez cheatée. En fait, ça a l'air cheaté, mais pas trop cheaté. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Salut à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous avez bien le chat. On a commencé à quelle heure, les refs? Dites la vérité, s'il vous plaît. Parce que je veux pas enclencher un truc qui nous mène jusqu'à très très tard. Quoi?
Vas-y, c'est trop, frère. Ok. Ok. Je peux re-save là? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Faudra me penser à fouiller là-haut. Hein. Pas bon. Voici une installation assistée par Sixon. Wesh. Le jeu, vraiment, par contre, je suis vraiment étonné. Les gars, 2014, hein. Le jeu a presque 10 ans. Hein. Il est magnifique, hein, quand même. Hein. Il est magnifique et surtout, j'avoue que l'intelligence artificielle, chapeau bas. Hein. Très, très beau. Hein. Très, très propre ce qu'ils ont fait. Hein. Vous ne devriez pas être ici. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. Je vais vous attraper. Si je t'attrape, je te mords. Ne courez pas. Comment ça, ne courez pas? Tu vas faire quoi, mon ref? Oh non. Il a dit ça pique, wesh. Venez ici. Ah, ouais, bon, j'ai ma réponse. Oh là là. Ce n'est absolument pas autorisé. Il cesse d'interférer. Et moi, allons nous entretenir au sujet de la sécurité. Ceci est une violation de la sécurité. Oui, je sais, je viole la sécurité, mon ref. Ah, ils s'en battent les couilles, hein. Pas là l'homme torche. C'est trop bien fait ça. Fait chier, j'ai niqué une balle de pompe, j'ai le sub. J'ai le soldo. C'est bien là, hein, les gars, que je dois aller. Hein. Bureau du Marshall, vous... Quoi? C'est bien là, hein.
On verra bien. Bon. De toute évidence, on ne peut pas les brûler. Hein. On a notre réponse. Hein. Par contre, ils sont beaux. Quand ils brûlent, ils sont très beaux. C'est quoi cette petite musique? Elle est sympa. Cette station dessert. Oui. Les ordinateurs des étages supérieurs de Sexon Synthetics sont actifs. Rip, je sais pas si j'y arriverai. Ricardo, il faut que tu te concentres. T'es responsable maintenant. Responsable? Responsable de quoi? Une salle pleine de cadavres? C'est la merde. Concentre-toi, Ricardo. Si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. On en aura enfin fini. Ok. Trouvez Samuels dans Sixon Synthétique. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'est une bonne chose de faite quand même. Et puis, je recorderai sûrement la suite jeudi à mon humble avis. Donc rendez-vous jeudi. Vous aurez la vidéo normalement d'ici là. On est bon. Bisous tout le monde. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire encore une fois YouTube. Bye.